Salut, salut, c'est Blue, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Witcher 3 Wild Hunt sur PS4. Donc là, ce que j'avais fait, juste un petit truc très rapide entre les deux épisodes, c'est que je suis sorti dans cette cour et il y a une vingtaine de gars qui me sont tombés dessus. Je les ai tués et j'ai récupéré la clé sur le commandant. Voilà, il n'y avait rien, ils étaient super simples à tuer, mais il y en avait beaucoup et c'était assez long. Et du coup, je me suis dit que c'était pas forcément intéressant de vous montrer ça. Il y avait pas grand chose, il y avait pas de cinématique, quoi que ce soit. Juste du cassage de bonhomme, si on peut appeler ça comme ça. Et j'ai récupéré la clé qui traînait sur le commandant. Et c'est tout. Donc on va libérer Margarita et sa collègue. On va essayer du moins. Ça doit être par là. Ouais. Hop, la cellule. Non, la cellule est là. La cellule est ici, normalement. Que faites-vous ? Yen a insisté pour venir. Rita ! Si je mets la main sur ces fils de pute. Yen, je suis trop faible. Tiens le coup, ça va aller. Je suis une magicienne, Yen. Accorde-moi de mourir dignement. Ah là, je sais pas quoi choisir. Yennefer, fais sortir Rita. Geralt. Yenna. Écoute-le. Pour une fois. Le portail n'est pas assez large pour nous trois. Tu vas devoir sortir par toi-même. Je n'aime pas les portails, de toute façon. C'est drôle. Autrefois, je t'aurais supplié de ne pas le faire. Non, tu n'aurais pas supplié. Tu as trop de fierté. Très bien. Bon. Geralt, le tueur de magicienne. 300 points d'expérience. Je sais pas si c'était le meilleur des choix, mais à mon avis, c'était mieux d'abréger ses souffrances. Voilà. On va dire ça comme ça. Je ne peux pas courir. Ok, c'est bon. Je devais être dans les escaliers et ça me bloquait la course. Alors, on doit monter par là. Il reste... Oh merde. Il reste des chasseurs de sorcières. Bon, on va s'en débarrasser. Il en restait un, d'accord. C'est marrant que je l'ai pas vu. Et c'est marrant qu'il m'ait pas attaqué plus tôt d'ailleurs. Non, on aurait pu arriver par ici directement. Niveau 33, yes. Plus qu'un niveau et je peux forger l'armure de l'école du loup de niveau maître. Quête mise à jour, ultime préparatif. On va regarder ensemble où on en est au niveau des quêtes principales. Donc on a fait ça, aider Yennefer, Triss, Ciri, Avalar. Retrouver Yennefer et la loge des magiciennes à l'auberge de Jaskier. Très bien, on y est. On va pouvoir voir ce qu'elles nous disent. Et ensuite, on va sûrement retourner du côté de Skellige. 1200 mètres, ah ouais.
Ok, de retour à Novigrad. Allons à l'auberge. Et on devrait retrouver tout le monde. Chasquier. Elles sont à l'étage. On a pas mal d'acolytes du coup. C'est cool. Ah, c'est encore à l'étage. Au-dessus. Proche. Gérald. Que se passe-t-il? Rien pour le moment, mais j'ai un pressentiment. Philippa et Margarita veulent me parler. À quel sujet? Elles ne m'ont rien dit, mais j'ai ma petite idée. Je suis sûre qu'elles veulent m'informer des grands projets qu'elles ont pour moi. C'est une conversation que tu n'éviteras pas, mais je peux t'accompagner si tu veux. Oui. Avec toi à mes côtés, elles seront plus prudentes. Je n'en suis pas si sûr. Mais deux têtes valent mieux qu'une. Allons-y. Inutile d'attendre. Vous vouliez me parler? À toi, oui. Pas à Gérald. Gérald, reste. Ou je m'en vais. C'est sans importance, Phil. Il l'apprendra, de toute façon. Très bien. Tant qu'il ne m'interrompt pas. Je reste, à moins que Ciri n'en décide autrement. La loge avait autrefois de grands projets pour toi, Ciri. J'imagine que tu n'as pas oublié. Une fois tes études terminées, tu devais rejoindre nos rangs. Hélas, les choses ont mal tourné. Nous avons l'intention de reformer la loge. Et nous renouvelons notre proposition. Rejoins-nous. La pauvre Sheila n'est malheureusement plus de ce monde. Mais les circonstances nous interdisent de porter le deuil. Que décides-tu? Rejoindras-tu nos rangs? Quoi? Pour épouser un prince et devenir votre marionnette? Comme avant? Tu n'étais qu'une enfant, Ciri. Et nous avons mal jugé la situation. Cette fois, nous te proposons une alliance. La loge des magiciennes est illégale sur tout le continent. Tout ce qui t'attend si tu les rejoins, c'est la persécution. Rois et royaumes ne sont pas éternels, contrairement à la magie. Tu as une grande destinée à accomplir, Ciri. Et avec nous à tes côtés, tu ne peux que réussir. Nous pouvons t'apprendre à contrôler ton pouvoir, à canaliser... Mais j'ai déjà Avalar pour ça. Hein? Et tu acceptes ça, Gérald? Tu crois vraiment que ses intentions sont pures? Je n'ai aucune confiance en lui, pas plus qu'en toi. Mais c'est à Ciri de décider. Les sages ont toujours des secrets bien enfouis. L'altruisme n'est pas dans leur nature. Tu n'es qu'un outil entre ses mains, même si tu l'ignores. Nous pouvons t'assurer savoir et protection. Mais tu resteras seule maîtresse de ton destin. C'est bien plus que ne peut te promettre Avalar. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Réfléchis à notre proposition. Et reviens nous voir quand tu seras prête. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter... Rallions Skellige pour trouver la pierre de soleil. Avalar nous attend au port. Alors ? Je ne sais pas... Je n'ai pas envie d'en parler. Je vais aller prendre l'air. Ouais, je sens moyen. Expérience reçue 1000. Oh, ça c'est bien. Quête terminée. Nouvelle quête préparative de la bataille. Retrouver Avalar à bord du bateau. Ok. Pourquoi je passe par ici? C'est complètement débile. Ok. Demi-tour. On redescend. La mère de ma femme est courue. Bon.
Où est Ciri et où est Yennefer? Elles se sont barrées sans dire un mot. Enfin, Ciri, elle nous avertit, mais Yennefer... Rien du tout. Comme à son habitude. 300 pas, ok. On va y aller. Yennefer, si c'est... Ok, nous y voilà. Protégez Ciri de la chasse sauvage et l'empereur vous accordera l'amnistie. J'espère qu'on peut te faire confiance. Vous pouvez. Et pour Fringilla? Je ne sais pas, mais je lui en parlerai. Vous venez à peine de vous retrouver que vous complotez déjà? Que veux-tu? C'est dans notre nature. J'ai bien entendu. Tu as convaincu l'empereur de les gracier? À condition qu'elle nous aide à protéger Ciri. J'ai du mal à croire que l'empereur ait pu conclure un tel marché. N'y crois pas si ça te chante. Ça ne change rien pour moi. C'est quoi cette histoire à propos de Fringilla? Triss m'a dit que tu n'arrivais pas à la contacter. Pas étonnant, vu qu'elle croupit dans une geôle impériale, enchaînée avec du diméritium. Du moins, c'est la théorie d'Orita. J'en conclus que l'empereur a omis de t'en parler. Ça ne me plaît guère. Ça ne faisait pas partie de notre accord. Quand ce sera fini, il faudra que j'aie une petite discussion avec l'empereur. Bien, tout le monde nous attend. Allons-y, on prend le bateau pour Skellige. Moi non plus, ça me plaît pas trop, ces complots de magiciennes, là. Je les sens mal. Surtout Philippa, là. Avec les yeux arrachés. Elle me dit rien qui vaille. À Valar. Tout le monde est là. Tu es le dernier. Nous pouvons appareiller. Levons l'ancre. Il veut conquérir Skellige, mais il sait pourtant que ce sont mes amis. Comment ça? L'empereur devra nous aider à affronter la chasse. Et nous venons de retrouver Fringilla Vigo. Dépêchons-nous de trouver la pierre de soleil. Ensuite, nous nous occuperons de Skellige. Nous avons besoin de Fringilla Vigo. Pour le moment, nous ne savons toujours pas ce qu'est la pierre de soleil. Elle a été créée pour permettre aux elfes des montagnes d'invoquer les vaisseaux des NL. Aujourd'hui, elle n'est plus que le symbole d'une opportunité manquée d'unir les deux tribus. Aucun d'entre vous ne connaît l'histoire de Gelban et Lilian de la Blanche Armada? Je t'en prie. J'adore les légendes elfes. Gelban, un sage des elfes des Aulnes, tomba un jour sous le charme de Lilian, une elfe Enseid. Mais la belle repoussa ses avances. Pardon, mais je crois que Gérald plaisantait. De toute façon, vous ne perdrez rien à m'écouter. Le jour du départ de la Blanche Armada, Gelban offrit à Dilian la pierre de soleil. Il espérait qu'avec le temps, Dilian lui ouvrirait son cœur. Ce jour venu, elle n'aurait alors qu'à utiliser la pierre de soleil et Gelban, où qu'il se trouve, viendrait la retrouver. Fascinant. Espérons que cette pierre de soleil nous soit plus utile qu'à cette pauvre femme.
La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si nous pourrons utiliser la pierre. Vous ? Non. Mais moi, oui, bien sûr. Avec l'aide de nos amies magiciennes. Entre celles qui vomissent dans la cale et celles qui sont hors de notre portée. Qu'est-ce qui nous dit que la pierre de soleil est bien à Skellige ? Les légendes elfiques sont claires. La pierre se trouve à l'endroit où la Blanche Armada a accosté. Elle peut donc être sur n'importe laquelle de ces îles. Ça promet. Je vais aller voir Sakasouris. Tu sais où le trouver ? Je vais commencer mes recherches au port. C'est là que la flotte de Krar est amarrée. Tu peux me téléporter sur le bateau d'Émir ? Impossible. Il est encore mieux protégé que l'alcôve de l'Empereur. On pourrait sans doute forcer le passage. C'est trop risqué pour Fringilla. Tu penses qu'ils savent que nous sommes là ? Les magiciens d'Émir ? Oui, bien sûr. Ils pourraient nous épargner tout ça et nous envoyer Fringilla Vigo à bord d'un canot. Le cas de Fringilla est loin d'être réglé. L'Empereur a garanti la sécurité de la loge, mais... Fringilla est un problème plus épineux. Elle est l'un de ses sujets, et a été condamnée à mort pour trahison. Tu devras découvrir quels sont les projets d'Émir à son sujet, une fois que nous aurons réussi à te faire monter sur le vaisseau amiral. Je vais me débrouiller pour monter à bord. Comment tu comptes t'y prendre ? À la nage ? Avec tes épées sur le dos ? Tu feras une cible de choix pour les archers de l'Empereur, mon pauvre Geralt. Ne t'en fais pas, il trouvera bien un moyen. Tu devrais opérer de nuit, tu augmenteras ainsi tes chances de succès. Une fois à bord, montre cette lettre à Sa Majesté Impériale. Remets-lui en main propre. Nous devons lui rappeler sa promesse et ce qu'il obtiendra en retour. Je m'en vais. Bonne chance. Demander à Krar où se trouve Sakasouris. Ok. Ok, ok. Nouvelle quête. Veni, Vidi, Vigo. Yalmar et toi. Nouvelle quête, la pierre du soleil. Donc ça, c'est la quête principale. On regarde encore une fois rapidement les quêtes, du coup. Que je fasse pas ce bêtise. D'accord. Donc on a trois quêtes principales. Ça, c'est la numéro 1, je dirais. Celle qui est la plus importante pour le mode histoire. Préparatif de la bataille. Passer prendre Fringilla sur le bateau de l'Empereur. Ok, donc ça... ça, c'est pareil, c'est une quête importante. Il faudra la faire. De toute façon, elle est en... Voilà. Si vous avez bien vu, il y a un objectif qui est apparu. Trouver la pierre du soleil. Donc celle-là, elle est en concordance avec celle-là. Et par contre, celle-là... Mais c'est la même chose, c'est la même chose. Ok, elles sont toutes en relation. En quête secondaire, est-ce que j'ai des nouveaux trucs ? Ah, retrouver l'usage de sa voix en faisant peur. Ah, ça, c'était des quêtes secondaires, d'accord. Gwint, Gwint, Gwint. Gwint. La statuette du soldat. Parler à Triss de la statuette. Ok. Et Gwint. Donc, il y a une quête qu'il faudra que je fasse. Et les autres... Les autres ne seront pas importantes. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Eh bien, écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode. On est de retour à Skellige, comme vous pouvez voir. Et la suite de l'aventure va se passer ici, à mon avis. et donc, on va cesser pour cette vidéo. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Mais là, on est au 74e épisode, si je me trompe pas. Donc, ça fait un paquet d'épisodes, hein. Ça fait vraiment... c'est mon plus gros let's play. C'est ma plus grosse série sur la chaîne pour le moment. Et j'adore. Franchement, je suis à fond dedans. Et je vous remercie tous du soutien que vous m'apportez. C'est vraiment quelque chose de génial. Pour une série aussi longue, je suis super content de voir qu'il y a autant de gens qui la suivent. Et qui commentent à chaque épisode. Donc un grand, grand merci à vous. Et ciao, ciao.